Salut à tous, alors cette vidéo est un peu particulière parce que c'est la dernière que je vais faire en Norvège puisque dans quelques jours je vais quitter Oslo, donc il faut que je prépare ma valise, que je fasse le ménage aussi parce que il va y avoir l'état des lieux et en plus c'est un peu particulier parce que en France moi j'ai l'habitude de faire l'état des lieux avec le propriétaire ou celui qui s'occupe de l'appartement et de signer les papiers directement, sauf qu'ici en fait je vais partir et ils viendront après mon départ, donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de faire des photos histoire de pouvoir prouver que vous avez nettoyé et que vous avez rien abîmé parce que bon, on sait jamais. Les mains 5 minutes pour prendre des photos et ça caille assez rapidement. Il faut faire gaffe où on marche aussi parce que il y a du verglas par terre et on voit derrière aussi le lac qui commence à être recouvert de glace. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Dark, cold, and white. They are walking this way. Aujourd'hui on est le 6 décembre et c'est la fête des 100 ans d'indépendance de la Finlande sur la Russie. Donc j'ai appris ça et on va fêter ça justement avec des Finlandaises. Et c'est un des trucs que j'aime avec Erasmus, c'est que on apprend plein de choses, on partage les cultures de tous les pays, c'est super sympa. Du coup,
comme le drapeau, je me suis mis en blanc et bleu. Et c'est parti! Bon, et bah, il est 15h30 en ce 7 décembre et il fait quasiment nuit. Et puis bah, je pense que Oslo va me manquer finalement, parce que même si ça n'a pas été un coup de cœur dès le départ quand je suis arrivée ici, parce que je trouvais notamment qu'il y avait beaucoup de restrictions, notamment sur l'alcool par exemple, et qui, je trouve, ça entrave un peu trop nos libertés. Ça, et le fait aussi que la vie coûte cher, que les Norvégiens sont pas forcément hyper... Ils sont sympas, mais bah, par exemple quand j'étais aux États-Unis, dès que j'ouvrais une carte, on venait directement vers moi pour me demander si j'avais besoin d'aide. Enfin, on dit bonjour super facilement, etc. Et je préférais cet aspect-là que j'ai pas ici. Et puis aussi bah, le fait qu'il manquait un certain charme de l'ancien, je trouve, dans la ville. Mais finalement aujourd'hui, bah, j'ai appris à vraiment apprécier, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Notamment bah, le fait que ce soit super clean partout dans les rues, c'est super agréable. Et puis quand je dis voilà, il manque un charme de l'ancien, la ville reste quand même super jolie, les bâtiments sont beaux, et puis il n'y a pas un seul endroit où finalement les façades sont abîmées ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon point. Et puis j'apprécie aussi que bah, c'est une grande ville, et malgré tout on se sent jamais oppressé. Genre dans le métro, même aux heures de pointe, il y a toujours une place assise quasiment. Et puis il n'y a pas de grands axes, genre de quatre routes, de périphériques hyper bruyants comme à Paris ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, la moitié, même peut-être plus, des voitures sont électriques, du coup c'est vraiment pas bruyant. Et ça, c'était vraiment agréable. Et puis autre chose, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment ce type HLM super moche ici. En tout cas, j'en ai pas vu. Pourtant, j'habite à l'extérieur de la ville, donc que ce soit dans le centre-ville ou là où j'habite, un peu en extérieur, il y a très peu de bâtiments, de gros bâtiments. Et quand il y en a, bah, ils sont assez modernes, plutôt jolis. Et puis autre point positif qui n'est pas négligeable, c'est bah, la nature qui est présente aussi bien en centre-ville avec les parcs super agréables, ou ici, voilà, à 5 minutes de chez moi j'ai un lac, j'ai pas l'impression d'être à Oslo là. Et donc tout ça fait que je trouve qu'on a les avantages de la ville, parce que voilà, il y a plein d'événements qui sont organisés, etc. Sans les inconvénients du bruit, du monde et de la pollution, donc c'est quand même pas mal. Et puis ben, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager toute cette expérience avec vous, et merci de m'avoir suivi. Mais c'est pas encore tout à fait fini, puisque là je vais partir en fait une semaine en Suède. Donc je vais d'abord faire le nord de la Suède, et après je ferai Stockholm. Et ça fait des mois que je rêve de ce voyage, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont l'air vraiment vraiment bien. On va parler notamment de chiens de traîneau, de motoneige, d'aurore boréale, de rennes, nourrir des rennes, enfin bref, il y a plein de trucs qui me font envie dans ce voyage, donc j'espère que ça se passera bien, mais il n'y a pas de raison. Et donc bah, forcément je vous emmène avec moi.